pelouse à la place des crottes de chiens, au pied des immeubles des vaches, et tout ça sous l'œil d'une caméra. Et oui, on est sur le tournage de Safi et Boule de Gomme. Action. C'est l'histoire de la petite Safi qui rencontre des gens dans divers quartiers de l'agglomération troyenne. Elle va faire de drôles de rencontres accompagnées d'un génie. C'est un court-métrage pédagogique qui traite des comportements qui peuvent perturber la vie des quartiers. Chaque quartier aussi peut avoir sa problématique. Par exemple, donc là ici sur Pont-Sainte-Marie, les vaches, c'était aussi pour symboliser le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui font faire les déjections canines dans les espaces verts, et donc rendu impraticable. Sur Saint-André, on tournera une scène de vitesse, donc un gros problème, puisque dans les quartiers, généralement c'est des zones 30, et les gens sont généralement au-dessus, donc on va symboliser cette vitesse par une petite scène. On refait juste le dialogue. Deux jours de tournage pour réaliser une comédie d'environ 7 minutes. Mais au pied des tours, on ne rigole pas. Les 20 figurants et les 30 participants bénévoles travaillent d'arrache-pied pour réaliser un beau film. Et même les apprentis comédiens prennent leur travail au sérieux. Je faisais ça pour le fun. Au début, c'est bien, mais quand on apprend, c'est un petit peu fatigant à force qu'on répète, mais ça va quand même. Safi et Boule de Gomme sera diffusée dans l'ensemble du département pour créer des débats sur la vie de quartier. La première diffusion aura lieu au cours du festival Première Marche à Troyes, au Ciné City, à partir du 14 avril.